Comment c'est possible de véhiculer autant de mensonges alors que la vérité, on la voit sur les réseaux. Hein. Là, il y a une ambiance de ouf. On vient de retrouver un cortège et on s'est réunis. On est tous ensemble. C'est un truc de malade. Oula Nous sommes avec Alexandre. Salut. Alexandre, salut. Tu es étudiant en Suisse. Exactement, ouais. Médiamaticien. Médiamaticien. Français et Suisse. Exactement, ouais. Et tu montes chaque week-end à Paris pour manifester lors des manifestations des Gilets jaunes. Exactement. Donc tu es aussi Gilet jaune. Exactement, ouais. Mais tu as aussi un autre rôle. Tu filmes, tu interviews des gens, tu fais ensuite des vidéos. Tu montres un peu la manifestation de ton point de vue. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce mouvement des Gilets jaunes? Ça se résume en un mot, hein, c'est solidarité. Je suis allé 6 fois en tout à Paris depuis le début décembre. Et vraiment, quand je vais là-bas, je me retrouve avec ce que j'aime bien appeler mes frères et sœurs. Et je ressens un peu ce sentiment de solidarité qui me fait vibrer, hein, personnellement. Parce que quand je rentre en Suisse après le week-end, je suis limite nostalgique de ce rassemblement. Mais du coup, c'est pas un peu compliqué quand tu fais tes analyses dans tes vidéos de pouvoir rester neutre? Alors, moi, au tout début de la chaîne, j'avais prévu de faire quelque chose de totalement objectif. Et en fait, dès la première vidéo, je me suis rendu compte que c'était juste impossible, en fait. Je pouvais pas ne pas donner mon avis. Et pareil, quand je vais à la manifestation, je pourrais rester objectif. Et je pense que le message principal resterait le même, parce que quand on va sur place, c'est horrible à dire, mais c'est presque blanc et noir. Je suis un humain, hein, comme tous ces manifestants. Et c'est vrai que quand tu manifestes pacifiquement à chanter, crier, discuter, etc. Et il faut qu'on se le dise, hein, et que tu te fais caillasse toute la journée de lacrymo, de flashball que j'ai pas reçu directement, hein, mais, et de canon à eau, assez dur de garder son calme et puis d'essayer de prendre la défense. La défense de l'État, la défense des institutions. C'est à quel moment que ça pète? Globalement, dans les manifestations, s'il n'y a pas de policiers, pas de CRS, ça se passe bien, ça discute, ça parle, etc. Ça, c'est en début de journée. Quand ça pète, c'est quand les CRS et la gendarmerie, etc., disent la fête est finie. Tout le monde rentre chez soi, c'est-à-dire que, je sais pas, c'est toujours aux alentours de 17, 18, 19 heures. Les mecs te disent concrètement, c'est fini, tout le monde rentre chez soi. Et là, clairement, ils te provoquent, ils te balancent des lacrymos, des flashballs et des canons à eau. Et franchement, c'est impossible. Même là, maintenant, à toi, je pourrais pas t'expliquer la sensation de qu'est-ce que ça fait de se recevoir des gaz. Et j'imagine que certains qui nous écoutent ont peut-être déjà fait cette expérience. J'espère pas, mais c'est ultra violent. Enfin, je veux dire, vraiment, sur le coup, t'as l'impression que tu vas perdre tes yeux, quoi. Si on parle des gilets jaunes en tant que tels, c'est pas eux qui provoquent. Parce que les gilets jaunes, c'est qui? C'est des grands-mères, c'est des jeunes, c'est des plus jeunes. Il y a beaucoup de vieux. Il y a beaucoup de personnes qui sont... Il y a moins de jeunes que de vieux, tu vois ce que je veux dire? Tu t'es déjà retrouvé au cœur d'une violence? Et pendant la manifestation? Bah oui, bien sûr. Je me suis retrouvé au cœur des violences. Je me suis fait menacer, je les compte plus, des dizaines de fois par des manifestants. Bah, des manifestants? Par des manifestants, ouais. Pas des casseurs, hein, par des manifestants parce que j'avais une caméra. Et il y a une haine profonde des médias et des journalistes, hein, je pense que ça tout le monde le sait. J'ai reçu énormément de menaces en mode... Mais quand tu dis que t'es indépendant, etc., là ils le prennent bien. Là ils le prennent bien. Pourquoi à ton avis, est-ce que t'as une différence particulière par rapport à... Parce que moi j'ai pas de contraintes, parce que moi je suis c'est moi qui choisis qu'est-ce que je montre comme image. Et j'ai aucune contrainte, et c'est bien pour ça que je vais rester entre guillemets indépendant. C'est parce que je veux avoir zéro contrainte. Est-ce que tu trouves que les grands médias traditionnels français, ils rendent justice à ce qui se passe dans les manifs? Bah non, ça c'est sûr que non. Ils sont... Je sais pas comment dire, en fait c'est tellement absurde et tellement gros que ça me paraît irréel. Comment c'est possible de véhiculer autant de mensonges alors que la vérité, on la voit sur les réseaux, enfin je veux dire... C'est vrai qu'il y a un contraste net entre les grands médias et ce qui est relayé sur internet. C'est fou, enfin vraiment, genre, je me demande comment c'est encore possible et comment ils peuvent dormir le soir tranquille, ces mecs, parce que
à relayer de fausses infos comme ça, ça engendre des situations comme quand je rentre en Suisse la semaine et puis que j'explique ce que j'ai vécu et qu'on me prend pour un fou. Et puis qu'on me dit que j'ai tort et que ce que j'ai vécu, c'est pas vrai et que je mens. Ouais. Dans la dernière vidéo que tu as publiée sur la censure sur Facebook, tu critiques ouvertement la plateforme Facebook et YouTube. Ouais. Comment est-ce que tu la vis cette contradiction ? Parce que tu critiques la plateforme en disant qu'elle est très capitaliste, mais pourtant tu l'utilises pour passer tes vidéos. Bah déjà c'est important de dire ça parce qu'on en est tous fait, c'est clairement une dissonance cognitive. Ça veut dire que je fais quelque chose en contradiction avec ce que je pense et mes valeurs. Et je pense que je suis pas le seul dans ce cas parce qu'il y a plein de créateurs qui sont sur YouTube et sur Facebook malgré eux, je pense. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut se faire une audience, une vraie, et bah t'es obligé de passer par ça. Tu veux faire quoi ? Tu crées une entreprise ? Moi, j'étais plus sur Facebook depuis des années. Avant de créer ma chaîne, j'avais pas Facebook. Et Facebook m'a rattrapé en quelque sorte. Parce que si je voulais monter un truc sérieux, un truc qui ait de l'impact, j'étais obligé d'aller sur Facebook. Et la preuve, c'est qu'une grosse partie de mon audience se situe sur Facebook. Donc je suis même pas, entre guillemets, ce qu'on appellerait un YouTuber. Moi, je publie sur les réseaux qui marchent, entre guillemets. Mais oui, je critique clairement la collecte de données personnelles pour les vendre aux publicitaires. Il y a des scandales qui éclatent chaque mois de Facebook qui vend les infos à des banques, des machins, des trucs. Enfin, je veux dire, ça, on le sait tous. Donc oui, ça me dérange. Oui, je critique ça et je continuerai à le critiquer et malgré tout à l'utiliser. C'est terrible, mais c'est la réalité.